Et bienvenue tout le monde sur KO Gaming, c'est KO, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau jeu. Alors on va pas faire les trois à la suite, mais comme vous le voyez, il s'agit de Hitman, la trilogie en HD sur PlayStation 3. Voilà, et bah, nous on va commencer le Hitman 2 Silent Assassin, celui que vous voyez à votre gauche. Alors pourquoi on commence par Hitman 2? Tout simplement parce que le premier était sorti uniquement sur PC et il était tellement vieux que il n'a même pas pu être mis sur les classiques HD Trilogy, mais c'est pas grave parce qu'il y a majorité de jeux de niveau du premier Hitman qui se retrouveront dans le Hitman Contracts en mode flashback, donc c'est pas bien grave. Donc on va commencer par le Hitman 2. Alors je suis désolé d'avance du son qui sera très très fort. J'ai essayé de régler, j'ai le micro au maximum, là je vais devoir un petit peu parler plus fort, mais sinon on ne m'entendra pas. Allez, c'est parti pour Hitman 2 Silent Assassin. Alors, hop, j'ai shooté, en plus si je shoot sur mon micro ça va pas. Donc ça va être la première, et une première pour moi avec cette licence qui est très appréciée et qui continue de sortir des jeux, puisqu'il y a le Hitman 3, mais la nouvelle trilogie sur PlayStation 4 qui a été annoncée sur la dernière conférence PlayStation 5, dont en plus la trilogie, la dernière, qui sera aussi disponible normalement sur VR. Donc autant vous dire que des jeux, il y en a encore, ils en sortent plein. Et ben, du coup, on va s'essayer là-dessus. Ça va être la première fois que je vais faire un Hitman. Et je suis très content de vous le proposer et de vous proposer cette saga en découverte à 100% sur ma chaîne. Allez. Regardez ça, on dirait que votre frère ne s'arrêtait pas au simple trafic d'armes pour vous. Alors c'est quoi? Drogue, prostitution, extorsion? J'ai entendu des rumeurs sur ce projet en Indochine il y a plusieurs années, mais je n'y ai pas cru. Visiblement, j'aurais bien dû y croire. Je suis très impressionné. Voyons, comment c'est marqué exactement déjà? Oui, une version améliorée, amplifiée et évoluée de l'espèce humaine. Mais qui pourrait bien vouloir cloner un imbécile comme mon frangin? Et ça s'est passé où? Au fin fond de la Roumanie. C'est pas précisé, mais je sais comment trouver le lieu exact. Enfin, si ça vous intéresse. De surveillance. Je pense qu'elle s'explique ce carnage. J'étais sûr qu'on découvrirait un truc dans ce genre, mais j'espérais bien. Excellent, ce type est excellent. Peut-être pas aussi fort que moi, mais rapide en tout cas. Vous savez qui c'est? Ah oui, et vous aussi d'ailleurs. C'est mon ami et monsieur 47. Vous voulez rire? 47, c'est une rumeur. Rien de plus. Personne n'a jamais prouvé son existence. Vous savez, je l'ai déjà rencontré une fois à Rotterdam. Je ne savais pas que c'était lui à l'époque, mais j'ai fait des recherches. Donc vous saviez déjà ce qu'il s'était passé oui. Ici. Mais il est dispo? Il l'était, mais je n'ai entendu parler d'aucun rapport sur ses activités depuis un bon moment. Donc en fait, il pourrait tout aussi bien être mort. Mort? Mais vous êtes fou ou quoi? Ces vidéos sont la preuve irréfutable qu'il est bel et bien vivant. Il ne vous reste plus qu'à mettre la main dessus. Eh bien, mettons le doigt à sa recherche dans ce cas. Un tueur pareil ne peut pas prendre sa retraite. Ok, bon, on commence comme ça, sur une petite cinématique. Je trouve le rendu très propre hein, pour un... Alors, c'était un jeu PS2, hein, évidemment. Mais c'était quand même un jeu assez ancien qui était sorti en 2002, je crois. Donc, on était quand même au début de la vie de la PlayStation 2. Et je trouve les cinématiques vraiment très propres, donc je suis assez content. On va voir ce que ça va donner in-game, mais là pour l'instant en termes de cinématiques on est bon. Évidemment on va faire un petit mode normal,
Je ne connais pas cette licence, donc on va se la jouer cool. Le sanctuaire de Gontrano. Bon, j'ai l'impression que la cinématique s'est finie un petit peu en queue de poisson, mais bon. L'abri de jardin, c'est chez vous. Pour vous déplacer, utilisez le joystick, pour finir. Ok, bon bah ça c'est logique. Jusqu'à présent, ça va. Ah non, j'ai cru que c'était un effet d'ombre, mais non. C'est un espèce de petit. Je pense que c'est un prêtre. Ok. On a une boussole. Alors est-ce qu'elle va vraiment servir? D'accord. D'accord, ok. Bon, jusque-là, c'est très simple. Bonjour mon fils, comment allez-vous? Je vais bien, mon père, mais je dois vous parler. Du calme, mon fils. Nous avons un proverbe en Sicile. Je ne sais rien. Je n'ai rien vu. Je n'étais pas là. Ou si j'y étais, je devais être endormi. Si vous souhaitez vous confier à moi, l'endroit le plus sûr est le confessionnal de l'église. Rendez-vous à midi. Ok. Bon, visiblement, les religieux ici sont très silencieux et gardent les secrets. Bon, c'est bien, je pensais pas que l'agent 47. Ok, ouais. Je pensais pas que l'agent 47 pouvait parler, donc ça c'est une bonne nouvelle. Je n'ai vu aucun let's play, je n'ai vu aucun trailer, rien du tout. Si, j'ai vu le dernier trailer du dernier Hitman, mais c'est tout. Par contre, ouais. Alors, ramper c'est bien, mais s'il le fait à deux à l'heure, par contre, ça va être pénible. Par contre. En ce qui concerne la diversité des le choix des touches et puis le. Oui, bah oui. En ce qui concerne le choix des touches et. Bon, ça va. Pour courir L2. Ah, parfait. Pour disposer pratiquement en permanence une carte des environs, pour appuyer sur touche Select. Consulter carte. Ok. Donc, oui, le choix des touches et puis bah, pour l'instant, le. Ils sont assez judicieux, quoi. Ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, c'est pas compliqué, contrairement à un Démar 98. Ah bah oui, il me suit du regard, d'accord. Bon, ok. Ça doit être un épouvantail robotique. Bon, on va aller au confessionnal. Il n'y a rien là-dedans, ok. Alors, je sais pas s'il y a des collectibles. C'est encore un abri de jardin, ça. Là-bas, parce que je pense que le confessionnal, il est là-haut, là, avec la croix. C'est une armurerie, ça, non?
Oui, mais... Waouh, c'est génial, on peut pas y aller là. Non, regardez par la serrure. Bon, bah allez, on va aller au confessionnal. Peut-être qu'il... Si on dit qu'on a péché, on va avoir droit à notre arsenal de... Est-ce qu'on serait à la solde des religieux? Je serais très surpris. Bon, je pense pas qu'il y a des choses à prendre. Je pense que tout ce qui est... tout ce qui est gâchette droite, c'est-à-dire tout ce qui, toutes les touches avec R, que ce soit R1 ou R2, ce sera quand j'aurai des armes. Pour l'instant, je n'ai pas. Ici, c'est condamné. On peut pas y aller. Et là, il n'y a rien. Allez, c'est parti. Ah, c'est pas là la confession? Non, c'est pas là non plus. Bah, moi, je veux bien, mais... si tout est fermé... Ah non, peut-être là. La chapelle, là. Ouais, c'est là. Ok. Et laquelle? La petite? Ah non, il y a trois portes. Alors là, je peux pas y aller. Là, je peux. Et là... Ah, zut. Porte fermée. Ok, nickel. Ah ouais, donc celle-là, je pourrais pas y aller du tout. Ils le disent. Très bien. Et j'imagine que cette... Ah non. C'est à cause de ça que c'était fermé. Porte fermée. Bah là, j'y suis, là. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ok. Mais par contre, c'est vaste, hein. Oh la vache, ouais, on peut aller partout là. Ah bah non, là c'est fermé. Ok. Je visite. Ok, et là. C'est ouvert aussi. Ça va faire le tour, très bien. Mais là, on peut pas y aller. Ok, bon, bah allez, hein. On va aller en confession. Je ne sais pas ce que c'est que la barre en dessous de la barre de vie, là, avec le point d'exclamation, mais on le saura bien assez tôt. Allez, on redescend. Non, c'était pas par là, c'était par là. Voilà. Alors, il serait peut-être temps d'aller se confesser, hein. Le fameux agent avec le code-barre sur la nuque, derrière le crâne. J'avais regardé le film, le premier film, j'avais été très déçu. Apparemment les fans aussi, donc rien à voir avec le jeu. Ok, non, là il n'y a que dalle là-dedans. Ouais. Hein? Je suis ressorti? D'accord. Ça, par contre, c'était pas prévu. Alors, attendez. On n'a pas tout. Ils nous mettent que le plan... Ok. Ah, ben voilà. Mon père, j'ai péché. Continuez, mon fils.
J'ai fait des choses terribles dans ma vie. J'ai tué beaucoup de gens. Pour l'argent. Consciemment. Froidement. Sans haine. Mes filles, je vous connais. Vous êtes quelqu'un de bien. Je vous ai vu prendre soin du jardin. Je sais combien d'argent vous avez donné pour notre église. Votre âme est sur la bonne voie. Mais, mon père, je ne suis pas à ma place ici. Pourquoi Dieu me pardonnerait-il ? Rassurez-vous, mon fils. Lorsque votre heure viendra, il ne vous oubliera pas. Gardez une place pour Dieu dans votre cœur. Je dois partir à présent. Restez priés. Cela vous fera du bien. Seigneur, aide-moi à trouver la voie de la rédemption. Indique-moi le chemin et je le suivrai. Accorde la paix à mon cœur et protège-moi de mes démons. Oui, tu m'étonnes si je lui donne de l'argent. Malheureusement, l'église est fermée, mais revenez demain. Curé, approche un peu. Ah, au secours! Non, à l'aide! À l'aide! Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous faites? Au secours! À l'aide! À l'aide! Quelqu'un, lâchez-moi! Venez m'aider! Ferme-la. D'accord. Trouvez le paquet. Eh bien, on va repasser par en bas. Ok. J'aurais dû bien regarder où est-ce qu'il était parce que... Parce que j'ai pas vraiment bien visualisé sa localisation. En tout cas, ça commence fort. Alors, est-ce qu'il me le met, lui ? Oui. Le voilà. Bienvenue en Sicile. Nous espérons que vous avez apprécié la célèbre hospitalité italienne sur notre magnifique île. Quoi qu'il en soit, votre séjour ici n'est bien entendu pas gratuit. Vous avez préparé un transfert de 500 000 dollars cash pour après-demain à minuit. Entre-temps, nous tiendrons compagnie à votre hôte, le père Vittorio. Il adore la pêche. Nous assurerons qu'il aille bien jusqu'au paiement de la rançon. Nous vous recontacterons, Giuseppe Giuliano. 500 000 dollars ? Je n'ai pas les moyens de payer ça. Allons dans la cabane du jardin. Le passé doit revenir à la surface. Donc il avait pris sa retraite, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut pas aller dans cette cabane ? Et non. Agence, ici 47. Passez-moi Diana. Veuillez confirmer votre identité, je vous prie. Mon numéro est BRO 3886. Passez-moi Diana, elle reconnaîtra ma voix. 47, ici Diana. Je suis heureuse de vous entendre à nouveau. Tout le monde vous croyait mort. Vous serez content d'apprendre que vos compétences sont très recherchées en ce moment. Vous êtes une véritable légende pour nos clients. Désolé, Diana, mais je ne cherche pas de travail. J'ai besoin d'informations sur un Sicilien de Palerme.
Giuseppe Giuliano, avez-vous quelque chose d'intéressant à son sujet? Attendez, Giuseppe... Ah oui, voilà son dossier. Giuseppe Giuliano, alias Anguillo Giuliano. À la tête de l'une des plus anciennes et des plus importantes organisations mafieuses siciliennes. J'ai besoin d'une surveillance satellite accrue sur sa résidence et d'informations sur les dispositifs de sécurité et les voies d'accès. Essayez surtout de localiser un prêtre. C'est un de mes amis. Il a été enlevé. Un ami? Ça ne vous ressemble pas, 47. Quoi qu'il en soit, ces informations ne seront pas gratuites. Que proposez-vous en échange? J'ai entendu dire que vous étiez plutôt... riche. Oui, je sais. Moi aussi j'ai entendu cette rumeur. C'est tout à fait faux d'ailleurs. Mais je suis sûr que nous pouvons trouver un arrangement. Je vais voir ce que je peux trouver. En fait, j'ai bien envie de vous proposer un nouveau contrat. Pour une mission de routine, bien entendu. Une mission? Exactement. Si vous acceptez, je pourrais peut-être vous obtenir des informations très rapidement. Qu'en dites-vous, 47? Toujours partant? Oh, il a la classe, je trouve. Enfin, nous nous retrouvons, 47. Voyons ensemble si vous n'avez pas oublié vos fondamentaux. L'agence veut s'assurer que vous n'êtes pas trop rouillé avant votre première mission. Non, on peut pas y aller, là. Ah, si, continuez. Ah, ok. Ce sont des points de sauvegarde. Ça me va. Oui, c'est une question que j'étais en train de me poser en plus. "47, ici Diana de l'agence. Tout le monde se félicite de vous voir de retour parmi nous. Notre arrangement pour venir en aide à votre ami, le père Vittorio, implique que vous vous occupiez de plusieurs mafieux habitant la Villa Borghese, où il est retenu prisonnier au sous-sol. Votre objectif est d'éliminer Don Giuliano. Soyez vigilant, le dispositif de sécurité est très important. Des gardes patrouillent autour de la propriété. Bref, trouver Vittorio ne sera pas une partie de plaisir. Don Giuliano possède un petit bateau. S'il se rend compte de votre présence, il s'enfuira sûrement après avoir tué son otage. Ils sont habitués à recevoir des visiteurs venus payer des rançons ou des pots de vin. Mais toute activité suspecte peut les mettre en alerte. Utilisez la carte du terrain que nous vous avons fournie. Buena fortuna, 47. Anathème. Ok. Bon, voilà comment ça commence réellement. Bon, pour l'instant, ça me plaît. Après, on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet. Alors, c'est très vaste. Hein. Les décors sont immenses. D'accord. Ok, tout ça, c'est la caméra. Je disais, oui, les décors sont immenses, mais sont quand même assez vides. Bon, on verra. Qu'est-ce que c'est que ces paquets, là? D'accord. Et les provisions, je peux pas les mettre quelque part? Non. D'accord. Alors, on va regarder par la serrure, on sait jamais. Coucou. Bon sang! Bon sang! Bon sang! Oui, bon, d'accord, mais...
Vas-y, tue-moi là, je sais même pas comment... Bon, par contre, j'ai de la vie, hein, la vache. C'est même pas moi qui l'ai chopé. Premier assassinat. Oh là là, quel assassinat. Oui, mais bon. Je veux être mort. Allez, tuez-moi. Allez. Mais ils se tuent eux-mêmes, ces andouilles. J'imagine, ouais, que c'est en alerte. Allez, tue-moi. Bon, ça. Voilà. Bon, par contre, ma barre de vie est extrêmement élevée. Hein. Comment ça, cette sauvegarde restante? On va relancer la mission. Ouais, ils sont bien gentils, mais ils sont même pas foutus de me mettre les tutos pour l'arme. Ok. Corde de piano. Mince. Ok, ça c'est pour recharger. Ça c'est pour jeter. Pistolet avec silencieux. Et bah c'est ça qu'on va prendre. Ok. Bon, on va tester ça. Ok, bon, par contre, c'est pas très puissant. Hein. Ça va. Mauvais gars. Ramasser fleurs, prendre vêtements. Les facteurs ne portent pas d'armes, ben, je me doute bien. On peut pas le traîner plus vite que ça là. Ouais, je suis obligé de laisser mon super costume par terre. Je peux pas le garder avec moi. Bon, d'un côté c'est logique, mais... Voilà, par contre, le traîner, ok, mais... Il est un peu lent pour le traîner. Ok. Ouais, et il faut que je range mes armes, comme on fait déjà. Ça, c'est pour recharger. C'est quoi ça, Rossignol ?
Ah, c'est mon passe-partout, peut-être. Ok, bon, là, j'ai rien. Allez, on va se présenter. On verra bien. Totale découverte, hein. N'allez pas plus loin. D'accord. Mais il va voir mes trucs, non? Bah oui, forcément. Ouais. C'est logique, hein. D'accord, par contre, c'est très précis. On va relancer la mission. Je teste, hein. Alors ce sera peut-être un petit peu long pour vous, mais je pense que ça peut être quand même assez utile de passer convenablement. Ils avaient qu'à expliquer les touches aussi, hein. D'accord, oui. Et l'autre, il me voit même pas. Alors, ils ont retrouvé le... Ils ont retrouvé le facteur. Ah, je peux pas aller avec les deux mains. Et je peux pas courir non plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre avec le facteur, enfin avec la tenue du facteur, et je vais prendre une caisse. On verra bien. On va tout essayer. On va essayer de livrer avec les caisses par terre là. Tiens, tiens. Mince. Ah, une fois qu'il est dans la caisse, on peut plus y aller. Allez, dégage. Oh, mais par contre, je suis cuit, je pense.
Bon sang! Non. Non, mais... Qu'est-ce qu'il veut? Tirez! Oh, ok, ok. Bon, on recommence. On va essayer avec le mec là. C'est pas facile, hein. Mais une fois que j'aurai bien compris le truc. Voilà. Tire à la tête. Est-ce qu'on peut le traîner dans le camion? On va voir ça de suite. Fornitura. Non, on peut pas. Ok. Donc il vous laisse le choix, le jeu. Bon, il y a une grosse flaque rouge, mais bon. C'est bon? Tu me laisses passer? Ah, visiblement, ça marche. Ok. Première étape fait. Alors il faut pas qu'il me voit courir, sinon il... Sinon c'est pas bon. Par contre, où est-ce que je dois aller avec ça, moi? On s'en fout. Consulter carte. Kitchen entrance. Là-bas. On est d'accord que c'est par là. Hein. Ouais. Et là, il me fouille pas, tandis qu'à l'entrée, il me fouille. Il aurait fallu que je me débarrasse de mes armes. Donc, je pense que c'est bon. On est d'accord, c'est toujours là. Oui, kitchen entrance. Et là, ils me disent que c'est pas bon. Là, je suis blasé, par contre. Ah, mais il y a un passage souterrain, là. Attendez. Mais c'est quoi, ça? C'est les cales, ou... On voit que dalle, hein, par contre. Porte fermée, ok. Alors, y en a qui parle là. Pourquoi il me... Ah oui, mais c'est la porte fermée là-bas. Je crois, hein. Ouais, il y a quelque chose derrière cette porte, mais... C'est peut-être lui d'ailleurs, c'est peut-être le mec que je recherche. Ouf. Ah, c'est là, d'accord. Nickel. Shh.
Alors, on va essayer de la traîner en bas. On verra bien. Dans le noir, là. Nickel. Oh putain. Il y a quelqu'un. Est-ce que j'ai accès à la carte du dessus? Non. On sait pas où il va, c'est chiant. Et il s'est rebarré. C'est chelou ça. Alors, si est-ce que j'ai la carte là? Oui. Oh, mais ça bouge en temps réel là? Mais moi je suis lequel là? Moi je suis le vert central, mais. C'est bizarre. Hein. D'accord, donc il y a plein de... Moi, je sais où est-ce que je dois aller. Il y avait le couteau ici. Ah, il y a même encore un étage. J'avais pas vu ça. Bon, et si je vais là-haut, là ? Le Don a été alerté, évidemment. Oh, la genre de pacotille que je suis. Je crois que j'ai le choix, hein, en fait. Hein. Je suis pas obligé de... Je suis pas obligé d'être discret. Hein. Il y aura peut-être des... Il y aura peut-être des jeux où je devrais l'être. Qu'est-ce que... Encore ? Attends, bouge pas. Mais elles sont où mes balles là? Putain, mais c'est pas vrai. J'en suis au taquet là. Ok, cool.
Lawyer office, il n'y a rien. Par contre, il y en a derrière. Alors, les corps restent. Ok. Les corps restent sur la carte. Non, Didiou. Bon. Qu'est-ce que... D'accord. Si je charge, on va essayer. J'essaie toutes les possibilités. Alors ça va peut-être être pas terrible pour vous, mais je préfère comme ça au moins. 47. Ok. Ah oui, je peux sauvegarder dans la mission. Ok. Bon. Ça va pas être facile, je sens. Hein. Nickel. Bon, cette fois-ci, je sais comment on fait. Voilà. Le corps. On va le remettre derrière la camionnette comme la dernière fois. Est-ce que les sauvegardes restantes, j'espère que c'est pour la mission quand même. Parce que si c'est pour la totalité du jeu, autant vous dire que je vais pas y arriver. Hein. Non, je vais pas placer le... Ramasser. Voilà, je le range. Voilà. Obligé d'attendre. Hein. Non, c'est bon. Ok. Bon, on se familiarise avec le gameplay, là, hein, concrètement. Si j'avais une mission didacticielle, ça m'aurait bien servi dans ce jeu. Malheureusement, il n'y en a pas. Alors, je vais refaire comme tout à l'heure. Si je peux essayer de choper un garde avec une corde aussi, ce serait pas mal. Comme ça, je prends ses vêtements et je passe plus incognito. Ok. Corde de piano. Mais c'est pas normal. Ok, non je m'en fous du... Voilà, traîner.
Je me fiche du couteau. Et en tout cas, elle est morte heureuse. Je pense que si vous la tuez avec le pistolet, la mare de sang va être vue après. Hop. C'est encore parti des sous-sols là. Ok. Ouais, la carte d'en haut, je l'ai pas. Bon. On va aller là. Ils sont tous au même endroit, les mecs. Ça me va très bien. Évidemment, il sort d'où celui-là? Ils sont magnifiques, eux. Ah ouais, non, mais il y a l'armada qui vient. C'est ouf. Bon, ce que je vais faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode ici et je vais revenir à l'endroit où, où la cuisinière est décédée. Hein ? En tout cas, bon, bah, j'espère que cet épisode d'entraînement vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker la vidéo. Et puis bah, nous, on se retrouve très bientôt donc, pour la suite des aventures de Hitman 2 Silent Assassin. Allez, salut à tous !